bien les murmures des grands chênes crapoussés. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'aux rayons enchantés. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. Vous cacher, petit crapounet, et Rébus a tout son temps. Prudence, tout va bien? Oui, ça va. Crapousset, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Oh, quelle peur j'ai eue. Ciboulot, Ciboulette, où êtes-vous? On est là. Parfait, allons-nous-en avant que ce serpent ne revienne. Maintenant, on sait qu'il s'appelle Erebus. Je sais surtout qu'il veut nous dévorer. Qu'est-ce qu'on a besoin peut-être de savoir son nom? Moi, ça m'intéresse de savoir ces choses-là. Oh, oh, les jumeaux se chamaillent à nouveau. Arrête de nous appeler les jumeaux. Et les autres crapounets, où sont-ils? En as-tu vu, Fortiche? Non, pas un seul. Pourtant, quand nous étions dans la Grande Mare, il y avait des milliards d'autres têtards comme nous. Oui, mais les autres ont quitté la Grande Mare depuis des lunes. On est sûrement les derniers. Boniface, Fierabras ou Fleur Bleue auront peut-être retrouvé leurs traces. Eh ben non, ça aurait été trop beau. Boniface et Fierabras. Fleur Bleue. Vous n'avez rencontré personne? Eh non, et pourtant on a cherché partout dans chaque direction. Pas le moindre crapounet. Personne. Eh ouais les gars, on est tout seul. On va les trouver, venez. Et que ça saute. Eh oh, pourquoi ce serait lui le chef? Et hop. Hop. Je propose qu'on suive ce sentier jusqu'à ce qu'on les trouve. Pourquoi s'embêter? On n'est pas bien ici? Ouais, génial, installons-nous. Aucun des autres n'est resté. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison. On continue, et pas de discussion. Et pourquoi ce serait toujours toi qui commanderais? Je suis l'aîné. Ah oui. Ben moi je suis l'aîné des plus petits. Je crois que Fortiche a raison. Cet endroit est bien étrange. Ce serait mieux de rester ensemble. Oui, sans doute. Hein? Crapousset! Ça ne va pas, qu'y a-t-il? J'entends comme une voix. Comme si on murmurait quelque chose à l'oreille. Il est encore petit. Je me demande s'il n'est pas sorti trop tôt de la Grande Mare. Est-ce que c'est amusant? Le ciel est bleu jusqu'à l'infini. Coucou, coucou, c'est moi. Je vais faire de la luge. Qui vient avec moi? Moi, je vais essayer. Nous devons poursuivre notre chemin. Et pourquoi ça? Parce que je le dis. Ah oui, et parce que ça te plaît de nous commander. Nous devons retrouver les autres crapounets. Pourquoi faire? T'as pas encore compris? On est perdu, on est seul au monde. Je suis d'accord avec elle, on retrouvera peut-être jamais les autres. Raison de plus pour rester unis. Et si l'un de nous a besoin d'aide, on sera là pour lui. Bon, restez là et obéissez à Fortiche si ça vous fait plaisir. Moi, j'ai envie de m'amuser. Très bien, vas-y, on se passera de ta compagnie. On n'a pas besoin de toi. Fortiche! Non, attends. Bonne fête. Tu vois, on n'a pas besoin des autres. Oh, on retourne s'amuser dans l'eau. Viens. Bonne vague. Allez, à ton tour. Allez, gros plein de vase. Allez, gros plein de vase. Attends un peu que je te jette à l'eau. Faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah, au secours, Fierabras, viens m'aider. Oh, ça pique, ça fait mal. Viens à mon secours. Ne bouge
pas. C'est quoi cette drôle de plante? Et je sais pas, moi. Et c'est juste un buisson à picou. Oh, quel méchant buisson! En tout cas, heureusement que tu étais là. Ouais, et si on veut s'en sortir, faut s'entraider. Là-dessus, Prudence avait drôlement raison. Tu entends toujours tes voix? Oh, bizarre. J'ai mal aux jambes. On va bientôt s'arrêter. Oui, en attendant, imaginez qu'on est des explorateurs à la recherche de crapounets égarés. Ouais, chic. Et c'est parti pour l'aventure avec la petite patrouille. Ouais, crapounets en avant. Petite patrouille, c'est nous les rois de la petite patrouille. On reprend cœur. Tous avec la petite patrouille. Petite patrouille, petite patrouille. C'est nous les rois de la petite patrouille. Petite patrouille. Petite patrouille. Ah. Je vais manger une petite patrouille. Erebus, tous à l'abri. Ah. Sautons. Vous êtes prêts? Tu as vu comme c'est haut? Au secours! Aidez-moi! Accrochez-vous! Au secours! Je vais lâcher! Non! Et Fortiche, où est-il? Là-bas, regardez! Tiens bon, Fortiche! On arrive! Plus vite! Allez, monte! C'est bon, là, derrière? Oui, mais là, devant, c'est pas bon du tout! La prochaine fois, moi, je saute pas. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air méchant. Pourquoi les bêtes qu'on rencontre sont toujours plus grosses que nous? Et celui-là, qui c'est? Quoi? Où ça? Tout là-haut, dans cet arbre. Eh ben, ça s'arrange pas. D'abord, il entend des voix, et maintenant, il a des visions. C'est quoi, ce bruit? Demi-tour! J'arrive pas à les attraper! Essaie encore! Grimpez là-haut! Dépêchez-vous! À moi! Hop, hop. Alors, le petit avait raison. Il y avait quelqu'un dans l'arbre. Je suis certaine qu'il s'agit d'une griffe. Ah ouais? Eh ben, si c'en est une, j'aimerais pas avoir son propriétaire en face. Youpi! Et si on s'installait ici? Les crapounets ne vivent pas dans les arbres, ils vivent sur la terre ferme. Oh, Ciboulot, profite de la vie un peu. Je profite de la vie. Il faut faire demi-tour. Quoi? Nous devons retrouver Fleur Bleue et Fier à Bras. Mais pourquoi? J'aurais pas dû les laisser partir. Cette forêt est pleine de dangers. Et mieux vaut rester ensemble. Fleur Bleue ne voudra jamais, tu la connais. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je la laisserai commander. Mais tu voudrais que ce soit elle le chef? Peu importe quel chemin on prend ou qui commande. Ce qui compte, c'est qu'on reste tous ensemble. C'est vrai, ça vaut mieux. Bon, d'accord. Allons récupérer le grand chef. Hé! On y va maintenant, descends! Non, c'est bon. Allez-y sans moi. Comment ça? Les murmures sont de plus en plus nettes. Les voix me disent d'aller de ce côté, vers les grands chênes.
Mais enfin, tu ne vas quand même pas y aller tout seul. Il le faut. Je dois découvrir ce qu'on attend de moi. D'accord, on ira tous avec toi dès qu'on aura retrouvé les autres. Non, j'y vais tout de suite. J'en ai assez de tous ces murmures dans ma tête. Il est trop petit pour y aller seul. D'accord, je vais avec lui. Où est-ce que... Oh, tu peux pas faire ça, voyons. On a dit que... Il faut bien que quelqu'un veille sur lui. Bon, bah alors dès qu'on a trouvé les autres, on revient vous chercher. Je te le promets. Toi, veille sur le reste de la famille. Gros bec qui plane dans le vent léger, tout là-haut dans le ciel bleu. Tu n'as nulle part où te cacher, mieux vaut ne pas te quitter des yeux. T'as composé ce poème tout seul? Oh, ce que t'es doué. Tu es sûr que c'est un raccourci? Ouais, j'en suis on ne peut plus sûr. On ne peut plus sûr ou on ne peut plus sûr et certain? Disons, entre les deux. On aurait mieux fait de les laisser tomber dans la chute d'eau. Le ciel commence à s'assombrir. Et le soleil va bientôt se coucher. On ferait mieux de se dépêcher. Mais qu'est-ce que c'est encore? Viens. J'ai tout le temps peur. Je déteste cet endroit. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'on devrait rejoindre les autres, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Pour qu'ils nous fassent marcher à la baguette? Non, merci. On est très bien sans eux. Fier à bras? Au secours! Tiens bon! Je vais chercher de l'aide! Ah! Oh non! Oh non, pas ça! Non, non! Berk. Et c'est ce qui s'appelle tomber sur un os. Et je me sens pas bien tout à coup. On devrait plus être trop loin maintenant. Fortiche, hein? Je suis là. Et où c'est qu'il est, Fier à bras? Au secours! Au secours! Le pauvre Fier à bras, il a de grosses ennuis. Et tu sais où il est? Entre les griffes d'un rapace. Où ce rapace l'a-t-il emmené? Tout est de ma faute. Oh, s'il ne m'avait pas suivi, ça ne serait pas arrivé. Où l'a-t-il emmené? Tiens, c'est celui-là. On le sauvera. Suivez-moi et que ça saute. Bon alors, si je reste là, je vais servir de casse-croûte à gros bec. Et à cette hauteur, si je tombe, je vais finir en bouillie. Eh ben, mon vieux, t'es déjà sorti de la mare. L'heure est venue de quitter le nid. N'oublie pas, ne regarde pas en bas. Hop! Ouais! Super, les gars! Mission accomplie! Concentre-toi. Si tu lâches, ça risque de faire mal. C'est bientôt la nuit. J'aurais peut-être pas dû faire ce que me disaient les voix. Oh, je suis là près de toi. N'aie pas peur, hein? Quelles nouvelles consignes les voix t'ont-elles données? Les nouvelles consignes? J'en sais rien, j'entends plus rien. J'ai peur et... je ne veux pas aller plus loin, je veux qu'on s'arrête. Allons, allons, du calme. Je sais que tout a l'air étrange et effrayant dans la forêt. C'est parce que c'est nouveau. Mais c'est chez nous maintenant. Il faudra bien qu'on s'habitue à y vivre. Quel monde étrange, plein de bruissements qui t'alarme. Quel monde étrange, je comprends ces quelques larmes. Mais les miracles flottent dans l'air.
Vois la magie, le mystère. Écoute les chuchotements des grands arbres dans le vent. Foule l'herbe de tes pas, goûte à l'eau claire que voilà. Sans les fleurs épanouies dans ce monde en harmonie. Maintenant c'est chez nous, dans ce monde tout foisonne et vibre. Ensemble nous allons survivre. Chacun s'entraidera, cette forêt deviendra notre nouveau chez nous. Au secours des bêtes! Crapousset, regarde! Voilà, comme ça nous aurons toujours de la lumière. Eh ben, j'ai encore peur, c'est sûr, mais quand même moins qu'avant. Tant mieux. Maintenant, tant qu'il ne nous arrive rien de fâcheux... Que faisais-tu là-haut? Et je suis coincée, sortez-moi de là. Oh, moi, je veux bien, mais comment? Tira-bras, tu nous entends? Réponds! Ah, te voilà enfin. Ah, t'es sauvée, tu ne risques plus rien. Plus rien? Tu trouves que je risque plus rien? Faites-moi redescendre. Vous avez réussi, vous nous avez retrouvés. T'entends toujours des voix, petit? Ça va, je vous dérange pas? Il faut qu'on le redescende de là. T'aurais pas une idée? Si, j'en ai une. Il faudrait qu'on amortisse sa chute. Au travail! Voilà, un coup pour rien, hein? Bravo, vous vous en êtes tirés comme des chefs. Cherchez encore, on va bien trouver un endroit pour passer la nuit. Là, on serait bien. Revenez, on a trouvé l'endroit idéal. Oh! On sera en sécurité ici. T'as vu ça, Ciboulot? Attends, c'est moi, Franz. Oh, c'est trop, t'as vu? Tu peux faire plus de lumière? Regardez! Bonjour, qui êtes-vous? Oh, je réponds au nom de Patriarche. C'est une bonne idée d'avoir trouvé ce refuge pour la nuit. Près de la chute d'eau, c'est vous qu'on a vu. Vous y étiez. Et tous les autres, alors? Vous savez où ils sont? Tous ont déjà rejoint la vallée des crapauds. Mais vous êtes les petits derniers, maintenant. C'est un peu tard pour participer à la grande migration. La vallée des crapauds? Une vallée où l'on est à l'abri. Un havre de paix pour tous les crapounets. Bon, alors c'est là qu'on va. À la vallée des crapauds. Ce n'est pas si simple. Il vous faut d'abord trouver le rayon enchanté. C'est l'unique passage vers la vallée des crapauds. Trouvez le rayon enchanté. Mais hâtez-vous, car le passage se referme très peu de temps après la grande migration et ne se rouvre que l'année suivante. Quant aux crapounets qui n'auront pas atteint la vallée des crapauds... Je parie qu'il leur arrive un horrible malheur. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de vous le dire. Il faut que nous sachions. Dites-le nous. Qu'arrivera-t-il si nous ne trouvons pas le rayon enchanté? Ceux qui échoueront se transformeront en champignons de pierre, comme ceux qui sont ici. On va se dépêcher. Dites-nous juste où se trouve le rayon enchanté. Je l'ignore. Chaque année, le rayon enchanté apparaît à différents endroits de la forêt. Cela fait longtemps que j'ai quitté la vallée des crapauds. Mais les autres ont réussi à le trouver. Il y a bien quelqu'un qui sait où c'est. Les grands chênes pourraient vous aider, mais rares sont les crapounets qui les entendent. Ça expliquerait les murmures qu'entend Crapousset. Tiens, mais au fait, où est-il passé? Ben, je croyais qu'il était avec toi. Oh non, le pauvre! Il est dehors, tout seul!
les entends, Crapousset? Entends-tu les grands chênes? Écoute bien ce qu'ils te disent. Ils te guideront jusqu'à la vallée des crapauds. Suivez les conseils de Crapousset. C'est lui qui vous guidera. Maintenant, je vous souhaite bonne route. Vous n'allez pas nous quitter? Vous n'allez pas nous laisser tout seuls? On est perdus, nous, dans cette forêt. On a besoin de votre aide. Si personne ne veille sur nous, que va-t-on devenir? Je suis désolé, mais d'importantes tâches m'attendent ailleurs. À partir de maintenant, c'est toi le chef. Le chef? Oh non, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Si, on te fait confiance, c'est vrai quoi? Hein? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je suppose que ceci est à vous, n'est-ce pas? Mène tout le monde à bon port et veille bien sur eux. Oh! Nous trouverons le rayon enchanté, à condition que nous restions tous ensemble. Nous pourrons compter les uns sur les autres. Ensemble, on est toujours plus forts.